Excellence, Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous remettre les lettres que, par laquelle Son Excellence Monsieur Xi Jinping, Président de la République populaire de Chine, m'accrédite en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine en République du Bénin et celle qui rappelle mon prédécesseur. Merci. Félicitations. Merci. Cher ami. C'est un honneur pour moi d'être nommé ambassadeur de Chine ici au Bénin, parce que le Bénin est un ami de longue date de la Chine. Alors, dans presque tous les secteurs, nos deux pays ont connu des coopérations fructueuses et visibles et touchantes pour le peuple, pour le pays. Ça fait seulement un mois que je suis ici au Bénin, mais j'ai déjà bien senti le mot-clé du gouvernement béninois, c'est la réforme. Pour la Chine va accompagner le Bénin dans sa réforme, dans son avancement vers un pays moderne et développé. Donc cette année est aussi une année particulière pour les relations sino-africaines, parce qu'en au mois de septembre aura lieu le sommet du Forum sino-africain. Le président béninois est aussi invité. Il a accepté avec plaisir l'invitation de son homologue chinois, président Xi Jinping. Après ce sommet-là, il y aura certainement beaucoup de mesures vont sortir pour promouvoir la coopération entre la Chine et l'Afrique en général, avec le Bénin en particulier. Donc, pour moi-même ainsi que mon ambassade, on aura beaucoup de travail à faire.